Scarlog. Donc quoi, Thierry? On est vert, non, c'est parfait du coup, on reste blanc. Allez, on va se mettre vert, ouais, bonne idée. Vous Yo. deux, vous mettez vert, moi je reste blanc. Rogi, il va falloir que tu me donnes un tuto vite fait sur comment mettre la couleur. Touche à G, Contrôle donc Windows. contrôle Windows, contrôle droit. Putain, Bob, il Yo. va prendre des Team coups. Management et Join Team Yellow. Ok, nickel. Voilà. Salut. Contrôle Windows, c'est Ok. C'est rouge pour les interactions Mon AR, sur c'est soi-même. ça. Pardon, Vélo? Toi, mon AR, Je suis. Ah, Et ton équipe Babs, bleue est là. Je suis porteur de mission pour le d'assist. début, ok, mais pour la suite, les Je suis communications porteur de mission. intra-trinomes Ah sont merde. de vive Tiens, voix. Hein. assurez-vous, faites tab et mettez votre petit curseur de Parfait, axe d'ailleurs, je sur crois le que tu as L la de radio normal. longue, je pense que tu peux la jeter. S'il vous plaît. Yo. Là, au cas où. Ah. Ça coûte rien. Ouais, je suis Bah en non, mais c'est normal, là, je roleplay. pense. Ok. Ok, sur Comme le tu L veux. de normal, Vous vous êtes pas partez tous les deux ou pas? tous pareil. Ouais, Et, ouais, du coup, Ouais, mais lampadaire fonctionne! Pardon, je Valérie. t'entends pas. Ok. Ah, c'est bon. C'était moi le lampadaire! Le print quand tu penses que c'est bon, C'est bon, mystérieux. c'est bon, c'est bon, ça. Ce qui était important est Okay. un spawn là. Et comment tu sais ça, toi? Tu es allé voir Tout avec le monde la. à droite, T5, Les décideurs, droits, les T6. dieux. Les droits des dieux. Bon, si je dis rien, c'est que vous me collez au cul, quoi. D'accord, on a on colle au cul. Mystery, on colle au cul. Ah, moi je te colle au cul. Ok. 6. Ouais, 6. Parfell, Aku, ton objectif c'est de te jeter devant ce Parfell quand il prend des balles et moi je viendrai te sauver. Ça te va? Sympa. Tout pour ne pas commander à sa place. Oh, ce Parfell, on va le rendre fou. Jaune de leader. Ouais, jaune sur écoute. Bouger sur ton point Suez. Ok, bien pris. Bon, on y va. Le pointman, hein. Du moins, l'idée c'est je suis en avant sur la colonne et puis du coup, par contre, moi, je me fous en CQB. Hein. Oh putain, en phare dans ma rue, il y a du djembé quoi. L'ambiance début de mission. Bleu de leader. Bleu, j'écoute. Tu peux aller te positionner 150 mètres au nord de Raptor. Bleu bien pris, on se met en mouvement. Terminé. Donc à tous, restez discrets, accroupis. Wilco, quand t'as parlé, on n'a rien entendu. Hein. Je disais, on est parti. Ouais. C'est mieux là ou pas? Ouais, là c'est mieux. Peut-être même carrément nord par rapport à notre position. Un truc de fou la musique. Moi j'ai juste un mec qui doit être en train de taper son paillasson sur un mur, c'est moins intéressant. Rouge de leader. Ça c'est la fête de la musique chez vous. Rouge. Hein? Vous allez vous positionner dans le bâtiment en 078 162 pavé 1. Peut-être faire gaffe à pas trop parler sinon on est parti. Sinon c'est parfait, il va. Ouais. Je suis ouais, allez-y, vous pouvez parler, je vous dirai de vous fermer votre gueule si Bah, de jamais toute ça façon, me saoule. on a la radio aussi donc. Ouais. Allez voir, venez, on va aller voir sur la position de rouge chez ça. Oui, chef! Ah, vas-y, Aku, passe. Ah bon? Aku? Ouais. Attends, tu m'entends ou pas assez? Ouais. J'ai regardé ta vidéo, en fait, je m'entends gueuler. Et accroupi, il a dit le chef. Ah. Ah oui, il va jusqu'à oui, oui. Il est passé où le chef? C'est genre à côté hein, en fait. Hein. On est ouais. Jaune en position sur notre point. Bien reçu jaune, est-ce que vous avez un visuel sur tournesol depuis votre position? Pourquoi tu te marres toi? Pour rien. Ouais, j'ai un visu, par contre je suis légèrement en contrebas, je peux déjà te dire qu'il y a au moins un de gueule, contact quoi. Sur le premier checkpoint. Bien reçu, est-ce que tu penses que tu pourrais couper d'éventuels renforts qui viendraient depuis Riga à Victor quand on mènera l'assaut sur Tournesol? Bah, pour l'instant on va rester là. Attends, je te confirme ça avec la baraque. Sauf si vraiment il est juste à côté en plus. Oh, il est à 5 mètres. Ah ouais. Okay. Bon, on peut rester là, c'est pas grave.
bleu en position à 150 mètres au nord de Raptor. Le chef avancé. Bien reçu bleu, maintenant ce cas là tu peux commencer à essayer de rejoindre le point Milou ou les maisons qui sont à proximité en faisant un petit contournement par le nord donc. Bleu bien pris, on se met en mouvement, terminé. Tu es au caillou? Ok, de jaune c'est confirmé, je peux avoir un visu pour couper d'éventuels renforts. Bien reçu jaune, dans ce cas là tu vas geler ta progression et puis essayer de repérer si les bâtiments Victor et Riga sont des bons bâtiments ensuite pour la suite de la progression. Jaune bien pris. On voit pas grand chose hein, quand même ici. Non, il y a un espèce de... Restez là, vert. Ok. Là, je sais pas si je dois mettre mes JVN ou pas. Moi, je ne le fais pas parce que... Ah oui, le viseur est pas... De la COG. Ouais, la COG, il peut pas. Et en 0.78, 160... Bah non, mais t'as pas besoin. Il faut raconter des conneries maintenant, Myst. Vas-y, je viens d'apprendre que lundi, je peux retourner bosser où je dois bosser. Ok, mais si on a les deux autres trinômes, on... Pourquoi tu pouvais pas bosser? J'espère que Bleu pourra choper un bon visuel. Je suis consultant dans une boîte et en gros, ils avaient pas encore signé les contrats qui finançaient. Et du coup, on fera un gros feu et puis vous foncez. Comme il faut me faire bosser là-bas, sinon c'est hors la loi. Ils ont pas de contrat officiel. J'étais mort pendant 3 jours. Ça devrait aller d'ici, je pense. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des murets un peu plus loin là. Si, si. Tu vas m'obliger à faire du montage, Mystery. Ouais, il y a des murets là-bas. Ah putain, toi qui me demande de te raconter des conneries. Du coup, quand vous arriverez à atteindre les murets, ça sera pas mal quoi. Ok. Ah, tu pars de. Si tu cherches un boulot ou quoi, et place une petite annonce. On voit contre bas, à l'ouest. Vous pouvez peut-être faire le feu de PC. Si quelqu'un recrute. Non, quand même pas. J'ai du boulot, j'ai un CDI, je suis pas plein. Pour avoir des angles de tir. Quel est le mur en visu, Scarlett? Je vois. Je vois pas. Des vues bleues ou pas? Ouais, j'ai vu des mecs qui étaient au 50, mais là, ils y sont plus. Donc, je les ai pas vus partir. Ils sont pas marqués sur map. Venez avec moi. Scarlock, tu peux. Pardon, à coup, j'ai dit que tu passais devant. Ouais, c'est pas aussi formel parce que. Bah, si, parce que c'est pas moi qui vais me jeter devant Sparfell. Ouais, pourquoi pas. Bah, c'est moi le médic. Ouais, t'as un sac plein de coton. Ouais, mais le problème c'est que. Tu pourras pas me foutre la drée. Et nous on va rester par là, on a un bon surplomb. Je mets sur la droite. On a un peu une vue de merde avec. Enfin, tu contredis le chef? Non, il a dit qu'on était en surplomb, c'est tout. Non, j'ai pas de jumelles, j'ai juste mon. Bleu de leader. Oui, bleu, j'écoute. L'idée c'est d'avoir le meilleur visuel possible sur le checkpoint tournesol en fait. Et de pouvoir couper ce qui serait qui viendrait de Tintin Félin. Ok, bien pris. Pour le moment on n'est pas sur Milou. On est sur une maison un petit peu à l'est avant quoi. Et on a un bon visuel déjà sur le checkpoint d'ici. Maintenant la position, je vais venir voir moi-même. C'est la maison à côté de la colline 133 là, sur le chemin entre Raptor et Milou. Ils sont loin, hein, ils sont quasiment sur le point rouge. Pourquoi t'as décidé de la mettre de nuit cette mission? On traverse la route côté sud. Parce que la dernière se passait à midi. Il y avait beaucoup trop de lumière, je trouvais. Ok. Et je me suis dit, bah, on va changer, on va la foutre de nuit. Ok. Bah, y a possiblement toute une vue sur, à l'origine, je voulais faire des affrontements urbains intenses. Et sauf que ça s'est pas du tout déroulé comme ça, c'est pour ça que j'en ai refait une. J'espère qu'on aura un peu plus d'affrontements urbains intenses. Ah. Et de nuit, l'intérieur de la ville est quand même pas dégueu. J'ai dû rajouter des lampadaires parce qu'il y avait pas assez de lumière, mais...
Je pense que t'auras pas grand chose à faire sauter du coup, mais bon, on sait jamais. Oh, toujours un petit truc à faire sauter. Oh, moi je trouverais toujours un truc à faire sauter. John de leader. John sur écoute. Est-ce que vous avez des possibilités d'engagement de tournesol depuis votre position? J'adore les graines de tournesol. Oui. Bien reçu, John. Mais tu sais, on voit le mec, nous, là. Ah, c'est Sparfell qui est là-bas, sur l'ouest. Non, 240, là, derrière le panneau. Bon, alors, voilà comment ça va se passer. Bleu n'a pas de visuel sur ton sol, mais peut déjà engager et intercepter des gens sur Félin et Tintin. Du coup, l'assaut tournesol sera pour rouge et jaune. Jaune engageront les premiers sur tournesol. Rouge engageront également sur tournesol depuis leur position actuelle. Puis, dès les premiers coups de feu passés, commenceront à pousser en direction de tournesol. Oh, ça va encore être une mission où je vois rien, ça, si j'ai pas mes LBG. Bleu, vous aurez, une fois les premiers coups de feu tirés, vous aurez autorisation d'engager ce que vous voyez. Qu'est-ce que tu dis? Évitez d'engager les cibles trop lointaines, mais tout ce que vous voyez, sinon vous pouvez l'engager. Oui, ça va encore être une mission si bien pris, je vois rien, si j'ai pas mes position actuelle ou on avance quand même vers Milou? Si, de toute façon, Milou c'est juste à côté, hein. Choisissez la meilleure position. Je pense que je dois avoir un gamma super faible par rapport à ça. Vous voyez pour intercepter. Moi j'ai 1-1 là, je vois super bien là. Ok, bien pris. Je te prends une screen d'ailleurs, comme ça tu pourras voir. Ouais, mais je verrai rien sur mon écran. C'est peut-être, bah, pas, c'est peut-être mon écran hein, qui est réglé aussi. Comme ça. Augmente la luminosité. Jaune, confirmez que vous avez reçu les ordres. Putain. Le jaune, c'est confirmé. Baisse la lumière chez toi. Ok, vous avez entendu. Du coup. Bah, bleu peut pas tirer mais fera support et deux autres esquives vont besoin, pousser. Okay. Non, mais parce qu'on était en train de discuter en même temps. Donc... S'il faut, on a un mec en visu sur le barrage. Hein. Ouais, ouais, vous aurez de toute façon l'engager au début là. Mais c'est. On pourra peut-être entendre que les autres l'engagent peut-être, non? Ouais, ouais. Non, vous êtes plus proche, quoi, que c'est nous qui allons faire l'engagement. Ah merde. Bon, ici leader, c'est mon trinôme qui va faire t'es plus sur la radio, t'es plus sur la radio. Si, je l'avais, moi. Leader, c'est mon trinôme qui va faire le premier engagement, et à mon signal, rouge et jaune, vous pourrez engager également. Je te dis, ça merde avec les 3-4-3. Tenez-vous prêts. Bah, j'ai qu'une cible, j'ai qu'une cible, elle est en visu pour la tirer, hein. Feu. Ok, feu. A tous, feu. Il est très puissant au silencieux. Ouais. Oh, y'a plus de lumière, y'a plus rien là. C'est le chaos. T'es sérieux là? Ah, ils ont pété les lampadaires. Ah oui, effectivement, ouais. Ah. Ah oh putain, c'est dommage que t'aies pas le même visuel que moi, quoi. Ouais, rouge allait pousser, essayez de commencer à pousser là. Il avance. Je pense aussi. Je crois que j'ai vu du départ de coup en 252, mais je suis pas certain. 152. Il y a de la poussière, ils ont balancé des grenades, je pense, là, non? Rouge en progresse. Bien reçu, rouge, jaune et bleu, cessez les tirs d'armes lourdes sur tournesol. Jaune reçu. Ils sont où, jaune, en fait, là? Dans la maison qui est à gauche, un peu éloignée, où il est entouré de murets. Au 200? Ils sont pas là-bas en tout cas, je crois que c'est pas là que je les ai placés donc. Bah ouais, c'est... j'arrive pas à les voir. De bleu, on peut engager pour les hostiles sur Talin. Ici leader, c'est un peu loin quand même. Et c'est... si c'est en alerte et en train d'approcher, affirmatif. Ouais, bleu bien pris. Les rouges, ils sont arrivés au mec qu'on a tué là. Ok, visu sur tournesol, apparemment tout est clair, on peut progresser. On peut continuer sur son ordre. Bien reçu, rouge,
progressez, prenez possession de Tournesol et prenez possession de la maison directement à l'ouest. Jaune de leader. Jaune, j'écoute. Est-ce que vous avez des visuels dans l'axe Omega Riga? Négatif. Dans ce cas-là, commencez à engager une progression soit sur Victor, soit sur Riga, suivant ce qui vous paraît le mieux. Ok, bien pris pour info, Riga plus ou moins dans un trou, donc ça risque d'être Victor. Bien reçu, soyez prudent parce que vous serez dans une très proche des contacts. Ok, bien pris. Ouh, c'est la guerre chez Rouge là. Et venez avec moi, on descend. Ok. De rouge, on a tiré à terre et un homme, un ennemi, ouais. Mais dire sur quoi jaune là? Rouge de leader. Ici rouge, la vieille est au sol avec Thierry. Bien reçu rouge, on arrive vers vous, est-ce que vous êtes dans le creux sous le pont? On l'entend là. Ah. J'ai entendu Scarlock. Ah oui, ils sont dans le creux. Devant là, je pense, ouais. De jaune, hein. Je sais pas quelle équipe progresse direction Tournesol, mais sur votre droite à flanc de colline, vous avez quelqu'un qui avance. Je me cache. Bien reçu, jaune. Bleu, c'est pour vous. Flanc de colline sur votre nord-ouest. Thierry s'est relevé. Et essayez de vous mettre sur sa tête de pont et de soutenir, et puis d'aller voir pour le médecin. Tu vas essayer de voir pour le soin. Ok, deux contacts un peu plus haut. Oh putain. Tu veux j'essaie d'avancer là, je sais pas où ils sont. Ouais, essaye de les trouver. La vieille. Rouge, où est-ce que vous êtes? Non, on va pas sur le pont, Mister River. C'est ouais, c'est une idée, d'accord. Rouge, on est à l'extrémité est, derrière le mur en tôle. Ok, j'y vais. Ok, je vous envoie le médecin pour si besoin. Tu vas avec lui, si parfait ou pas? Non, à coup, reste par là. Ok, ça marche. Reste sur le pont là, tu check pleine ouest. Oh putain, je prends des tirs depuis le nord-ouest. Ouais, je sais. Jaune de leader. Jaune, j'écoute. Quel est votre statut? Est-ce que vous avez entamé la progression? Là on sort de notre position pour entamer la progression. Bien reçu. L'idée c'est que vous allez sur Victor et que vous fassiez un point de blocage pour empêcher les ennemis d'avancer en direction de rouge et bleu. Ok, bien pris. Il est bien mort le mec. Mystery l'a achevé le mec derrière les sacs de sang. Ok, en gros. Peut-être encore une blessure au torse. Une grave, j'en ai fait qu'une et peut-être. Ok, tu vois le bunker qui est de l'autre côté du pont à gauche? Mmh, ouais. Y'a un mec dedans. Un mec dedans, je viens de voir son AK dépassé. Faut nettoyer ça. T'as des grenades ou pas? Ouais. À coup? Ouais. J'en ai. Ok, tu vas, tu rampes, tu jettes une grenade. Je vais essayer, ouais. Rouge de leader, sur le bunker qui est côté ouest du pont, il y a encore un contact. J'ai envoyé le démo, essayez de s'en occuper, donc faites gaffe de ne pas vous exposer. À coup? Ouais, attention, je vais balancer de la greu. Ouais, je suis à droite du pont, tu te fais tirer dessus là. Je dois pouvoir passer par le nord, Mystery. Recule à coup, okay. Il est à l'avant, je vois pas. Je me dépêche, je vais passer. Mais putain, pourquoi tu te lèves toi? Ah non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah putain. Vous souffrez beaucoup, c'est triste. J'ai pris des coups. Erreur.
recule tranquillement, je te surveille. Bleu de leader. Je l'écoute. Statut. Statut, tout le monde est ok, on peut avancer si tu veux. Ouais, bleu, ce qui serait bien, ce serait que t'arrives à prendre Tintin. Ok, bien pris, on va s'en occuper, terminé. Effectivement, le mec a été traité sur la gauche. Bordel. Scarlock, t'as vu ce qu'on a eu ou pas? Ouais. Un mec au bout de la rue. Pourquoi il se bon, lève? Ouais, attends. Vas-y, repasse le truc et soigne-toi. Ah putain. Hystérie, si tu me reçois, retourne sur la tête de pont de mon côté. Gravement blessé, jambe droite, au cas où. Putain, mais c'est trop con quoi, quand tu marches sur le trottoir, ton perso il se lève quoi. Ouais, j'étais surpris, il y a des mecs de l'autre côté du pont, t'as vu? Ouais, il a été abattu le mec. Ouais, je crois. Je peux passer, Scarlock? Du coup, j'ai pas eu le temps de traiter Bunker. Hein. Je passe. Optique, je crois, avec le combat, hein. Je vais mettre. Parce... Parfait, le retour. Attention, je passe. Ok. Ok, dans l'autre groupe. Oup. Ouais, ouais. La vie est réveillée et je leur ai filé à tous des morphines parce qu'ils n'étaient pas très bien. Rouge de leader. Rouge sur canal. Ok, rouge, si vous pouvez essayer de prendre position du bâtiment en construction qui est directement au ouest de tournesol. Ça vient depuis l'ouest. Ah, fièrement, on est parti. Bras droit. Quelqu'un qui a lance-grenade de vous? Il est juste de côté du pont là-bas. Non. Comment ça, action annulée? Je laisse passer devant ou je vais? Tous, il y a des contacts qui sont à l'ouest du CP Tournesol sud de la route Omega qui nous bloquent actuellement. Donc, si vous avez possibilité de les engager, allez, pas possible d'être aussi mauvais. De bleu, on est légèrement un petit peu plus au-dessus que de Milou en attente parce que on a pas mal de contacts là, qui arrivent de bleu. Je vois qu'un lapin, les gars, là, ils sont où? De rouge en amateur. Et il y a des contacts de l'autre côté du pont, Mystery, sporadiquement, de temps en temps, sur la droite du bunker, puis ouest. Bien sûr, rouge, vous voulez que je vous envoie le médecin encore? On le diagnostique et on dit ça. Vas-y déjà, Mystery. Ok, bon bah j'y retourne. Hein. Reste là-bas ou pas? Je vais envoyer au cas où. Je peux passer par le nord? Pour bleu, ben ok, j'aime bien sur vos dernières com, mais si vous pouvez pousser sur Tintin, ça sera vraiment l'idéal. Hein. Ouais, en bleu, on est en mouvement là. Dans la maison rouge. Y'a pas quelqu'un qui peut traiter le bunker à la grenade là-bas? Ouais, faudrait faire ça. Petit coup de lance-grenade là, à distance, ça pourrait le faire. Parce que là, je suis pas sûr de... Rouge de leader, signalez-moi si vous avez un lance-grenade up. De rouge affirmatif. Dans ce cas-là, quand vous le pourrez et que vous serez dans votre bâtiment en construction, il faudrait que vous balanciez une patate dans le bunker côté CP tournesol, côté ouest. C'est bon. On est dans le bâtiment actuellement, je te dis la demande, je te dis ça. Jaune de leader. Jaune, j'écoute. Que vous êtes sur Victor. Attention à droite. On s'est fait arrêter sur un muret 20 mètres avant Victor. On a perdu un homme. On est en train de nettoyer un peu le secteur. Bien reçu. Faites ce que vous pouvez. Si c'est trop chaud, vous vous repliez sur votre axe de progression. Bien pris. Merde, déjà en avant moi. Ouais, de rouge, tu peux répéter l'emplacement du bunker? Bunker qui protège le pont tournesol côté ouest. Pont tournesol côté ouest, c'est reçu, si tu dis, je te dis ça. Ouais,
Ok, j'ai rien à droite. De bleu à leader, on est un petit peu plus au- on est un peu plus au-dessus de Tintin et on a une meilleure vue ici. Terminé. Ok, bien reçu. N'hésitez pas à engager les contacts parce que là on a déjà pas mal de boulot sur place. Ouais, bien pris, on vous couvre. Terminé. Il s'est relevé dans le bunker. Putain, trop tard. Il s'est rabaissé l'enculé. Ah, ça, j'ai vu. T'as réagi vite pourtant. Bleu, à la limite, si, je sais pas votre place, mais ce serait vraiment peut-être mieux Tintin pour avoir des visuels sur le directement félin. Je sais pas. Hein. Ils ont chier rouge. Fais les backups hein, sinon. Pardon ? Fais les backups. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien qu'ils prennent ce bâtiment et qu'ils détruisent le. Bah, qu'ils restent dans le bâtiment en construction, mais apparemment ils ont l'air dans le chien qu'en étant sur le bâtiment en construction. Jaune, ils peuvent pas balancer des patates sur le bunker ? J'ai pas trop vu leur axe, j'ai peur que ça tombe sur rouge ou sur nous. Jaune de leader. Ouais, Jaune, j'écoute. T'as-tu ? Ok, on est sur Victor, on a pris position. Ok, essayez de soutenir un maximum rouge qui a l'air de pas mal en chier dans la progression sur ces bâtiments. Est-ce que t'as un bon visuel sur les bâtiments au nord de ta position ? Ouais, j'ai visu, mais je vois rien hein, par les fenêtres et tout, les murs. C'est la tempête. Ok Jaune, apparemment le bunker que je signalais à rouge n'est toujours pas clear. Est-ce que tu pourrais... Est-ce que t'as un point de vue dessus? Non, c'est lui. C'est celui-là qui tire. Je peux répéter, j'ai pas entendu. Vas-y avec une grenade, la cour, retourne-y. Ok. Ok, de rouge, bunker clear. Ah bah. Ah. Je reste ici. Annulé Jaune, c'est bon. Tant mieux, j'avais tellement pas envie d'y aller. Éliminez un maximum de contacts que vous pourriez voir sur Félin. Attention, vous êtes juste au nord de la maison cible. Objectif Félin. Et éliminez aussi les contacts sur Tallinn, si possible. Le bien pris, terminé. Rouge de leader, signalez dès que vous avez pris possession du bâtiment en construction, ouais, de tourner le sol. De rouge, sommes actuellement dans le bâtiment en construction. Bien reçu, rouge. Est-ce que vous pensez pouvoir pousser dans la maison suivante à l'ouest? Rectification, on est dans le premier bâtiment en construction, on peut se mettre en mouvement. Répétez, vous êtes dans le bâtiment en construction, le premier bâtiment en construction à l'ouest de Tournesol et vous pouvez continuer la progression vers l'ouest. À vous. Négatif, on est sur le premier bâtiment en construction qui se situe à l'est de Tournesol. Nous n'avons pas de visu sur le second, mais pouvons poursuivre la progression. Ouais, je te confirme, ils sont dans le bâtiment en construction juste devant nous là. Hein. J'ai bien reçu, donc vous êtes bâtiment en construction à l'ouest de Tournesol et maintenez la position pour l'instant. Il doit confondre rester ouest là, dans la panique. Ils sont à un bâtiment à l'ouest, je suis pas fou quoi. Ouais, ils sont là, je le vois et j'en vois un en 200. Ouais, il faut quand même dire. 300 là. Ah, ouais, il doit confondre, je pense. Bleu de leader. J'écoute. Est-ce que vous avez des visuels sur des contacts aux environs de Félin? Oui, on a eu un ou deux contacts plein ouest, mais ils sont encore très loin. Juste au niveau de Félin je parle là, vraiment si vous voyez des hommes sur Félin. Non, en négatif, on a rien vu si on aura engagé. Un peu con comme question mais bon.
Ce que tu pourrais faire, ça serait de se passer dans le fossé là à gauche et aller voir au bunker, juste vérifier qu'il est bien mort le mec. Ok, je te conseille de laisser souffler rouge 2 secondes. Moi j'y vais. Oh putain le bâtard. Ah, y avait bien un mec dans le bout. Ok, bunker pas clear hein. Au sud. T'es blessé à coup? Ouais, bras gauche. Je sais pas si j'ai réussi à fumer le mec. Bah reste pas au pied du bunker comme ça. Attends, là c'est grave, là j'ai plus beaucoup de sang après. Je m'en mets juste un et après je décolle. Donc tu l'as eu. Ok, je recule. C'est bon. Bunker clear. Oh bordel. C'est bon, t'es soigné? Non, pas encore, mais ça peut attendre. Mystery backup sur position S de ponton au sol. Ça peut attendre un peu. Bien pris, S de ponton au sol. Maintiens la position, je vais aller. Et tu... Je vais chercher Mystery pour et vous remettez ici, je vais aller sur bleu, vert, jaune. Ok, d'accord. Derrière vous. Mist, viens ici sur le flanc gauche. Yes. Ouais, nickel. Là, derrière toi. Tant que je suis là, tu peux essayer de me traiter là. Attends, je te dis quoi? Il me reste un bandage à faire sur bras gauche. Bras gauche, ok. C'est bien pris. Il faut que je fasse une petite commande. Plus de leader, est-ce que vous voyez des contacts en approche de n'importe quelle direction? Putain, il m'a tellement surpris, gros bâtard, dans le bunker. Le négatif pour le moment, on surveille. Ah ouais, quand même. Contact. Rouge, on signale contact arrière. Bien reçu, est, c'est est du pont Tournesol. Départ de coup nord, fais gaffe, Mystery. Ouais. T'es dans le coin, ouais, je suis sous le pont là. Okay. Vert, est-ce que ça va? Je vais bien sûr mis sous le pont. Ok, fais gaffe, il y a des départs de coup sur le nord. Il est par là, mais on voit que dalle. On peut se mettre dans le bunker ou pas là? Non. Binôme vert de leader. Binôme vert, départ de coup sur le nord de Tournesol. Bien reçu vert, maintenez la position sur le pont et ne bougez pas, n'essayez pas de progresser vers les contacts. Rouge, essayez d'aller voir ce que c'est à l'est. Pour notre sol. De bleu, on surveille. C'est là-bas, hein, c'est dans ce buisson là. Ça va, Mist? Ça va, ouais. Un peu stressant, non? Ouais, mais c'est exactement ce que je voulais, moi. Donc là, je suis ravi. Je déteste ce bunker, je le déteste. J'ai des petits vert, je reviens vers vous sur le pont. Oh putain, y'a quelqu'un qui fait un barbecue là. Ça sent trop. De jaune pour commandement. Parlez jaune. Pour nous c'est assez calme, je sais pas si t'as vu nord-ouest, on avait un autre bâtiment en construction, un tout petit peu plus en avant de la position félin. Tu veux pas qu'on prenne position? C'est le bâtiment qui est marqué d'un point d'exclamation rouge, à vous.
confirmé, c'est ce bâtiment-là. Négatif, trop dangereux, probablement encore de pas mal de contacts sur Félin, donc restez sur position Victor. Ok, bien pris. Rouge de leader. De rouge. Ça tue. On a trouvé le style arrière, on refait route vers le point précédent. Bien reçu, rouge, on fera jonction avec vous pour attaquer Félin par le nord, depuis position tournesol. Mais on passe sous le pont, on va de l'autre côté. Bon, j'ai eu deux fois de la chatte, moi, dans cette partie. T'as vu Mystery ou pas? Il était avec moi. Myst? Ouais, j'arrive, excusez-moi. Je... Il a fait une transfusion ou pas? Non, t'as donné une transfusion? Je pense pas. Non. Bah, check. Et rouge? Ouais. Allez, check-moi ici, Myst. On va pas checker la maison. Non, non, on se met à l'abri là. Par le nord en suivant les murets. Oh là là, t'aimes pas le risque. Pas à la vérifier, vous allez sur le. Alors, diagnostiquons notre ami à coup. Je sais que je souffre un peu, sur... mais rien de dramatique. Regardez s'il y a une entrée. Non, ça va. T'as un épaule au point que je te fous une poche. C'est bien pris. Ok. Thierry, prêt. Je récupère le de leader. Le Liquid. Rouge va contourner, va essayer de se progresser sur le mur nord de la maison Félin. Départ à ton top, c'est parfait. Ok, bien pris. Nous, okay. On surveille l'ouest. Je monte. Laser. Mais j'ai déjà cramé la moitié des munitions. Je suis monté, hein. Ouais, j'ai... Ok, vous pouvez occuper l'étage. À coup, t'es où? Ouais. Ah. Tu surveilles ce qu'il y a derrière le mur. Ah putain, fiché, j'ai des petits freeze de merde, mais ça, c'est mon PC. Ouais, moi aussi, j'ai des fois, j'ai ralenti un peu. Ah, ok, d'accord. Eux, ils ont traité l'autre bunker. Il y avait un deuxième bunker. Ah, tout s'explique. Tout s'explique. T'es en basse, parfait. Hein. Non, je suis en haut. Ok. Ah, t'es avec nous. Bah, c'est pas là, je vais aller avec Rouge voir comment ça se présente. Ok. Okay. Bien qu'il est en train de ce côté, mais bon, c'est pas sûr. T'es content de toi, j'ai mon petit cœur qui bat. Le rouge pour ce parfait. Écoute rouge. Ok, on est situé nord du point indiqué. On peut pénétrer à l'intérieur du compound en escaladant les murs extérieurs, mais pas d'ouverture assignée. Tu pourrais faire un trou sinon. Ok, dans ce cas-là, escalader, mais essayer d'escalader par l'endroit le plus à l'est possible. C'est vrai, sinon je place un C4. Hein. En fait, là où je me situe actuellement, vous allez me voir sur le parcours. Point de vue stratégique, c'est super. C'est ironique ou? Non, c'est génial. Là, il y a rouge qui avance au milieu, on a jaune à gauche, bleu à droite, je crois qu'ils sont sur une hauteur, là, dans un bâtiment. Excellent. Bleu, on a quelques hostiles en visuel juste après ta ligne, est-ce qu'on peut engager? Parce que les hostiles sont en alerte et progressent dans notre direction. Ils sont en alerte mais ne progressent pas vers nous. Bien reçu, dans ce cas-là, retenez le feu pour l'instant. Si ça approche trop, vous pouvez engager. Bleu, bien pris, terminé. Jeter un petit coup d'œil au sud. Putain, je me déporte. Binôme bleu, binôme vert, je suis actuellement entre Félin et Tintin, vous pouvez me rejoindre. Vert, bien reçu. Entre Félin et Tintin, ah ok. J'avais oublié qu'on pouvait régler les NVG. Parfait. Hey, il est encore devant. Ah, ok.
normalement. C'est pas médic lui. Et non. Ok, sur toi Sparfel. Je couvre où? Ouais, où tu peux. Par là. À l'arrière un peu, mais... Je regarde à droite. Pas l'air d'avoir grand chose. Droite clear. Je regarde à gauche. Clear. Oh, il y a du pop là dans le coin. À la fenêtre en haut là, ou un mec non? De rouge, on signale une présence ennemie, mais non, on m'a encore identifié. Affirmatif, sur mon laser. Gaffe à vos tirs quand même, mais je rappelle qu'il y a un otage dans la maison. Il y a un tireur là-bas. Bleu, le mitrailleur qui est en contrebas. Engage. Vas-y, rejoins. J'ai rien du tout, hein. Rejoins Thierry Scott. Bah moi avec mon optique de derrière je peux pas. Ouais. Okay. Il est à droite du garage. Rouge, à l'étage de la maison, il y a un mec sur. Je recharge. Patientez. C'est bon pour vous? Répétez. Ah oui, on voit son canon qui passe. Étage de votre de la maison, il y a un mec sur. On a un mec à l'étage. Bleu, il y a des contacts sur les maisons ouest du point félin, vous devez suppresser dès que ça tient. S'il se relève le mec à la fenêtre, je là-bas. Jaune de leader. Ouais, c'est clair mystérieux. Putain, mais ils peuvent pas balancer des grenades avec lance-grenades. Normalement, il y a l'otage à l'intérieur. Hein. Non, mais sur le coin là-bas, quoi. Ah! Ils ont pas de lance-grenade bleu. Ah putain. Zut flûte. Vous avez pas des patchs? C'est bon, il est mort. Ah. Bleu, on a traité les contacts. Négatif, hein, j'en vois encore un courir à l'ouest là. Ah oui, c'est tout là-bas. Ah, c'est où je tire là. Putain, c'est super loin. Je crois que je vais enlever. Jaune de leader. On va passer au RC. Ouais, jaune, j'écoute. Ouais, je viens de vous entendre tirer, jaune. Vous avez encore beaucoup d'activités sur votre secteur ou pas? Non, zéro activité. Les derniers contacts, a priori, on les voit pas à cause du bâtiment en construction qu'on a. Donc on faisait un petit tir de suppression. Bien reçu. De toute façon, une fois que l'otage sur Félin aura été sécurisé, vous ferez un backup sur Tournesol. Après, on poursuivra la progression par le nord. Clear West. On était bien pris. De rouge maison, de clear. Bien reçu rouge, est-ce que vous avez localisé un otage? Négatif pour l'instant. Merde putain. Pas exactement là là. Si il s'est barré, attends. Putain, il faut le retrouver le touriste. Bon venez on va voir. Ok rouge, du coup sortez de la maison et vous pouvez d'ores et déjà monter sur Tintin avec le trinôme bleu. C'est les aléas hein. Ah, c'est les aléas. Non mais il aurait pas dû bouger en fait. Bah, c'est tout. Non, on sait pas ce qui s'est passé. Non, comment t'es passé là? J'ai grimpé. Ouais j'essaie, il veut pas. Mais contre le mur j'ai grimpé. Je peux pas. Alors Mystery? De rouge on a un PC du Saint-Esprit. Contrôle V Mystery. Ouais ouais. Ah putain, oh, putain évidemment, je vais être au millimètre près où il fallait pas. Ouais c'est ça ouais. L'œil, faut lui donner des sucres. Là là, à tes pieds. Ah putain. À coup, reste au rez-de-chaussée. Je suis sur l'arrière. Sud. Alors, pas de trace de l'otage, putain. On a bien un cible tout à l'heure. Il doit pas être très loin. En tout cas, j'ai vu. Tu parles. En fait, j'ai vu disparaître derrière l'arbre. Ah ouais, ils allaient par là-bas. Ou peut-être celui qui est un petit peu plus à l'est. Celui qui est en face, quoi.
aussi un mec rose parti en courant. En fait, au début, j'arrivais à merde, je pensais qu'on n'aurait pas de checker les autres maisons. Il tirait, ça faisait des flammes. Et après, une fois qu'il a arrêté de tirer, j'arrivais, je savais plus où il était. Ou soit ouest. Ok. Bon, la vieille. T'as mieux. Jaune de leader. Jaune, j'écoute. Bon bah si vous avez pas de contact, vous pouvez progresser sur le bâtiment que vous m'aviez suggéré un peu plus tôt. Bon pour vous, rouge. Ok, bien pris. J'ai juste un contact dans la ville sur un bunker en hauteur. Je sais que je vais perdre le visu si je bouge, donc il me dit si je l'élimine avant de bouger. C'est carrément dans la ville, c'est-à-dire au niveau de CPS, dans ces eaux-là. Confirmé. Ouais, négatif, pas urgent pour l'instant. Ok, bien pris, donc on bouge sur notre point d'exclamation. Donc pour information, l'otage n'est pas dans Félin, on va juste checker les bâtiments alentours. Rouge, vous allez checker le bâtiment entre Félin et Tournesol que vous n'avez pas vérifié. Ok, c'est bon. Vous revenez par où vous êtes venu là dans ce jeu. Pour grimper le mur ou quoi? Thierry, t'es là? Excellent, ouais. Qui nous emmène? Il est où Thierry? Ah, il est là. Non, c'est Akou. Non, je suis là. Akou, t'es porteur de munitions, non? Ah non, t'es pas porteur de munitions. Nope. Akou, est-ce que tu me reçois? Confirmé, je suis sur l'arrière. Eh bien, si tu peux revenir au rez-de-chaussée, on va se poser l'entrée sud du campement. C'est parfait, tu veux qu'on le cherche pendant 2 heures l'otage ou je t'indique où il est? Bah, on va checker les autres maisons par okay. Roleplay. Ok. Enfin, il aurait pas dû sortir. Hein. Sinon, c'est tout, hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Non, mais il aurait pas dû sortir, il y avait encore des gardes à côté de lui. Même, ça fait partie des aléas. Mais ça fait partie du jeu. Bon, en tout cas, il est pas loin. Le SU-25 n'aurait pas dû s'écraser. Hein. Oui, aussi. Putain, les bugs qui Mais. Bien reçu, jaune. Si c'est clair, vous pouvez nettoyer la petite maison qui se trouve directement à votre est. Je sais que t'es frustré, Mystery, je sais que t'es frustré. Hein? Ouais, non, normalement, les autres devraient pas bouger là. Ce qu'il fallait. Ok, bien pris. Quand même, regardez à l'étage, il n'y avait pas un cadavre. Non, non, c'est. Tu veux que j'aille vérifier? Vas-y, va voir. C'est jamais. Hein. Puis si je meurs, hein. C'est vous où je suis? Je viens avec toi! Non, ça a été checké l'étage de toute façon. Ah, merde, gros freeze. Ah, je suis retombé au rec. Ah non? Oula, je sais pas ce qu'il a fait là. Ça va? Ouais, ouais. Il y a un cadavre. Je sais pas, j'ai traversé des murs. Sur dernière maison. Traversé des murs. Bon. Bien reçu, rouge. Dans ce cas-là, remontez la rue principale de Félin. Et sécuriser le dernier bâtiment à l'est, à l'ouest. Ils sont pas un peu buggés les escaliers là? D'un coup? Le jaune bâtiment à l'est, c'est un peu flippé. Position point d'exclamation, clean. Bien reçu, dans ce cas-là, tu peux retourner sur position point d'exclamation. Rouge va aller se positionner sur le bâtiment à ton nord. Bien pris. Trop bizarre les escaliers, j'ai l'impression qu'ils étaient buggés là. Ouais, je t'ai vu de TP dans une autre pièce. Mystery, le truc où le mec. Il est à 100 mètres de Victor. C'est pas bien grave, je sais pas s'il y a beaucoup de pertes. Idéalement sur l'ouest. Non, il est dans la pompe pas. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je voulais te dire où il était parce que. Enfin. Ah putain, ça mange pas en plus pour la suite. Ok, bon. Lâché. En plus, il est dans un endroit tout noir là. Enfin, c'est... Genre le truc improbable quoi. Pas le TP. Ah, le type c'est la oui, là-bas. Oui, attends, il va réapparaître dans la maison, il s'était caché dans la cave. Porte quoi. Il y a rien, du tout. Ah, dans voilà, la maison rouge, ça va être compliqué, là. Ok, non, bon, attends, je sais ok, bah la dernière maison, du coup, on y va. Maison en construction. Non, c'est celle-là, là-bas, que je pointe, là. Attention, au laser.
Ah mais ça va être juste immonde. Ah vous avez pas su vous retenir hein. Bleu de leader. Ouais bleu j'écoute. Tout va bien pour vous? Tout va bien. Oui tout va bien, on surveille les ennemis qu'on peut avoir au loin là, à l'ouest. D'ailleurs on a vu sur le bunker qui avait été signalé par jaune je crois tout à l'heure. Ok, donc si vous avez des possibilités d'engagement, vous avez autorisation en fait. Ce qui serait bien, c'est que vous dégagiez un peu tout ce qui pourrait nous embêter dans le cadre d'un contournement nord de la ville par la colline. Ok, bien pris. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un peu la colline pour prendre un peu plus de visuel et on engagera à ce moment-là. Bien reçu, maximum 200 mètres au nord de Tintin. Ouais, bleu bien pris. On... Chef, j'ai trouvé l'otage. Il est là. Oh putain, merci. Alors, il est où? Il est par terre là. Tu le vois pas? Il s'était bien caché en fait. Il s'était mis dans la cave. Bon, pour votre sécurité, je vais vous faire prisonnier, monsieur. Tu crois vraiment que je vais m'amuser à faire un montage pour camoufler ton truc? Bien reçu au rouge. Pour information, l'otage a été trouvé sur Félin. Apparemment, il s'était réfugié dans la cave. On vient de le retrouver. Ok, c'est reçu. Rouge, vous pouvez faire mouvement sur Tintin dans ce cas-là. Et jaune, maintenez la position pour l'instant. Et voilà, c'est encore vert qui fait tout le boulot. Ouh, départ de coup nord. Ah, c'est bleu qui doit se charger de quelques contacts. Ok. J'y compte bien que tu fasses un montage à coup, tu vas enlever ma voix sur tous les endroits où on parle de trucs de l'otage qui est pas là. Et... John, venez sur moi, je suis dans la rue là. Ah, vous voulez. Pour le visionneur de vidéo, il va juste le voir sortir de la cave. De jaune bien pris, par contre, j'ai du contact au nord de la ville sur un balcon. C'est quoi ce d'un Bien reçu, mais vous pouvez venir dans la rue s'il vous plaît. Contact sur un balcon. Ouais. Ça vous dit de faire l'extraction de l'otage là, vous le ramenez à la base maintenant? Ouais. C'est possible, ouais. Tu veux prendre un coup à deux et on se retrouve sur Tintin, d'accord? Ok, c'est jaune, on est là. Okay. De rouge, on est sur Tintin. Et jaune, maintenant la position. Bien reçu, rouge, on va voir. Je vais passer devant, assurez-vous, moi. Je passe devant, ok. Moi j'ai un super bouclier là. C'est pas le but. On va sauver ce bonhomme. Ouais. 1 sur 5. Caché dans une cave. La cave elle-même bien cachée. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a profité de la panique ambiante fait du débarquement de rouge, je pourrais se jeter dans la cave. Hein. Hop, on va traverser. C'est un espion professionnel. C'est vrai. Ah, apparemment il a des yeux bioniques, il a dit que la zone était dégagée. Cool. Je peux passer là par contre? Attends, tu veux que je t'ouvre le truc là peut-être? Ah, je veux bien, ouais. Si je peux le faire. Hop là. Merci. Voilà, vos papiers s'il vous plaît, messieurs. Je crois que lui il a plus trop de papiers. Oh putain, je vois plus rien. Ah, tu peux pas mettre TNVG? Si, si. Ah, ok. C'est-à-dire que quand il y a les lampadaires, ça va, mais là. Il veut pas se rebarrer si on le laisse sur place? Non, il est attaché là, il peut pas partir. Ok. On sait jamais. Voilà monsieur, on va vous laisser dans cette base vide. Tout seul, et on attaché. On reviendra un peu plus tard. Ah, je sais. Attends, hop, on va le foutre là-bas. Le bleu, on va ouvrir le feu, on est juste au-dessus de vous là, au niveau du bâtiment, on n'a pas bougé finalement. On va le foutre là. À côté du drap.
entendre du bruit. Je le mets là. Ouais, mets-le où tu veux. Il est pas mal là. Ouais, oui, mais oui. Il est pensif là, tu vois. Donne la leader. Allez, joue. Ouais, hop. On va se mettre. Où j'en ai pas. Hiver, colis livré sur Raptor, retour sur position. Faut qu'on aille sur Tintin. C'est Tintin ? Ouais. Qu'est-ce qu'on va foutre sur Tintin ? Je sais pas, il nous a dit de le rejoindre sur Tintin. Ok, c'est... d'accord. Soit, soit. En fait, je transpire tellement que mon tapis de souris il gondole et que ma souris du coup elle capte plus rien. Ah moi je vais me coller à la souris là aussi. Y a pas de vent chez moi en plus, c'est la catastrophe. Quoi. Ah moi j'ai mis le ventilo, obligé, obligatoire, le ventilo direct sur les jambes quoi. Ah moi j'ai ouvert la fenêtre. Et... Tintin, c'est un peu plus à droite par contre. Ouais. Ouais, je pensais repasser par bordel, mais. Parle fort, le chef, on l'entend d'ici. Ouais. Là, on approche de Tintin par le sud-est. Il y a une maison, enfin la maison qui est la plus à droite. T'as pas d'angle. Qui est éclairé là juste au sud-ouest dans la ville, juste à gauche, en dessous de nous là, le grand bâtiment là, on fait là en fait. Ulco, dans l'FTG mail, regarde où je regarde en fait. Ouais. Ouais, c'est déjà surpeuplé là. Visuel sur ce mec là depuis ce bâtiment là. Donc vous allez là-bas, vous engagez le mec, vous engagez les contacts que vous voyez, et quand vous avez engagé tout ce qui pourrait nous envoyer sur le nord de la ville, vous revenez ici. Je vais progresser avec l'autre escouade. T'as compris ce que faisaient les autres en fait ? Wilco ? Hop, oui. T'as compris ce que faisaient les autres team ? Non, tu peux m'expliquer brièvement ? Ils font un contournement par le nord, ils vont se retrouver au nord de CP Nord. Enfin non, ils vont se retrouver pour l'instant à l'est de CP Nord, sur la maison à l'est de CP Nord. Ok. Voilà. Pour que bon, tu sois courant. Bien. Est-ce okay, parfait, on a deux contacts à un côté du camion. Ils sont partis se balader à la pompe. Là, on a traité. Ouais, ouais, je m'en fous complètement. Ouais. Vert ? Mm-hmm. Ouais. Allez, on va bouger, suivez-moi. C'est bien passé, l'otage est aux petits oignons. Voilà, il est pensif devant un container là. Il est choqué. Je pense qu'il s'inquiète pour ses amis. L'idée quand on sera en ville, ce sera de trouver un véhicule pour les stocker, les mecs, en attendant. On les met dans une caisse, hein. Pour les stocker. Dans une caisse. Ouais, on peut peut-être les mettre dans les caisses, les otages, non ? Vous avez pas essayé ? Non, on n'a pas essayé. Mais, ouais. T'as un camion qu'il y a, là, dans la rue ? Ouais, ouais, justement, j'ai vu ça. Bien le moral. Putain, ils avaient des yeux de faucon, c'est pas possible. Bah, en même temps, il est sous le lampadaire, Ouais, quand même. Quand t'enlèves une addition, y'a un peu que ça que tu vois, quoi. Ah, on voit nos alliés qui se baladent en bas, en dessous aussi. T'es même, moi je repérerais pas un camion dans ce bordel là. Kiko Toubi ? Je disais, je repérerais pas un camion, moi. Allumez-les. Même sans les NVG, je regarde les lumières. Ouais, bah, mais après on est en position. Je vais doubler parce que faut laisser le chef sous tout seul. Un rouge statue. Même avec un Hydrogen, c'est dur de voir là, hein. Putain. Ah, surtout qu'elle porte pas loin. Non, mais le chef là, il se couche dans l'herbe et qu'il bouge plus, je le vois plus. Hein.
Rouge de leader. Rouge. Quelle est votre position actuelle? On est arrivé à la maison. On l'a signé tout à l'heure, tu l'as pas eu. Négatif, je pense. Coupure radio par le relief. Bien reçu. Jaune, est-ce que vous êtes avec eux? Jaune, on est avec eux. Jaune. Jaune de leader. Il t'a répondu, ils sont avec eux. Ouais, les hommes ils t'entendent, apparemment tu les captes pas, ils sont arrivés sur position. Ok, ben maintenez la position pour l'instant, je fais une courte observation de des bâtiments qui sont sur ces peinards et puis on pourrait progresser une fois que ça sera fait. C'est quoi ces traçantes là? Ça c'est bleu qui tire. Ok. Ok, pour rouge et jaune, rouge confirmé que vous entendez. Rouge. Jaune. Ouais, jaune, j'entends. Tu l'as eu? Rouge et jaune vont procéder à l'attaque de CP Nord. Rouge prendra le gros bâtiment en T au sud et jaune se chargera des deux petits bâtiments au nord. Pensez bien à checker les bunkers. Départ dès que prêt. Pas ciblement au sable, j'ai essayé de... Il t'a reçu. T'as un rouge à confirmer. Non, non, je parle de bleu parce que vu que je suis loin. Bleu de leader. Il a répondu. Bleu. Si vous avez plus de contact en visuel qui pourrait nous aider, vous pouvez revenir sur... Tintin. Je reçois très mal. Ouais, bleu, je vous reçois 3 sur 2 sur 5. Allez sur Tintin, Tintin. Ça passe plus là. Ok, on retourne sur Tintin, bleu, c'est terminé. Il retourne sur Tintin. Bah c'est bon, il a compris ce qu'il fallait. Ouais. C'est marrant parce que des fois on a l'impression que... Par exemple, tout à l'heure, Mystery avait l'impression que ta communication avait coupé, alors que moi, je continue à t'entendre sur la radio. Non, mais là aussi, ouais. Ça, je l'ai eu la fin qui a coupé, là. Ouais, et pourtant, il a reçu. Non, non, mais je pense qu'il a... Il a interprété par rapport à ma com d'avant, parce que... Parce que pour moi, ça a coupé aussi, en fait, ça a fait... Y a pas un mec au 230, là, côté du camion? Vous pouvez vous aligner dessus et l'engager. Oh putain. Rouge de leader. J'ai de viseur. Si rouge, j'écoute. Vous pouvez partir sur objectif précité dès que prêt. Affirmatif, on se mettait au point avec jaune, on part dans une minute. C'est parfait, il y en a un dans la baraque à gauche du camion aussi là. Ah ouais ouais. Bah faites les deux. Hein. J'essaie de prendre celui de droite. Répétez plutôt. Bleu. Donc, je suis pas très à l'aise au tir. On a présence de 3 civils sur CPS. C'est ok pour toi, Mystery, ou pas? Présence civile CPS, j'ai compris. Ah, j'ai pas entendu un coup. Si je vais prendre celui de droite. Poursuivez progression et montez en direction de la colline, là où le bâtiment 073166. Bon. Tu fais celui de droite, hein, c'est ça? Ouais, je vais essayer. Ok. Bon bah je fais celui de gauche alors. Combien de mètres à ton avis là? Là? Ouais. 200. Là c'est à 300 mètres. 300 mètres, ok. Quand tu veux. Feu. Pas mal à coup. Putain, mais merde, sérieux. J'avais un fond de chargeur. Voilà, très bien. Sauve-toi et bouge pas. Boum. Voilà, j'ai eu le mien.
Je vois même pas si je le touche. Hein. Trop. Attends, je t'accompagne. T'es dessus. J'ai eu ? T'étais dessus, mais je sais pas si tu l'as eu. Bah, je bouge énormément en fait. Je ouais, joue moi aussi. Avec l'oscillation. Moi aussi, c'est bizarre. Hein. Ah, cool. Ouais. Ouais, non, c'est bon, je pense qu'ils vont s'en charger, mais j'ai un mec inconscient là au niveau de là où la grenade vient de péter sur le checkpoint nord. Checkpoint nord. Il y a un mec inconscient à gauche du bunker. Ah bah. Je m'en fais rien. Ah, tu sais, j'avais tout le truc, pouf, plus rien. Ah, les salauds. Rouge et jaune, soyez avisés sur le checkpoint nord, sur le bâtiment, le bunker qui se trouve à l'ouest de la route, il y a un contact inconscient. Les lampadaires en mousse. Ah putain, quoi. T'as mis des beaux lampadaires. Et... Ok, de jaune, a priori, CP nord à peu près client, on descend comme prévu. Bien reçu, jaune, ouais. Faites gaffe au contact qui se trouve donc derrière le bunker côté ouest de la route. On a un bleu qui nous arrive depuis le sud là, je pense. Ouais. Mettre mon laser. Bah, jaune, t'as vu ma communication la dernière. J'étais déjà en train de me dire, c'est quoi ce bug de merde encore? De quoi? La lumière? Ouais, je me suis dit... Non, non, c'est juste qu'ils ont fait péter l'ampoule avec une ouais, grenade. Ils ont pas, c'est pas mal de patates. Je me suis dit, putain, mon viseur, où est-ce qu'il est encore parti? Non, non, c'est... Il est jour, nuit. Faudra envoyer une lettre à recommander au gouvernement. Il passe à côté du contact. Qui? Rouge, vérifiez que le contact à vos pieds est bien mort. Mort confirmé. C'est parfait, on est là. Ok, bah... Vous êtes pas trop mal, là. Ouais. Tu as une bonne position de tir depuis un endroit sur cette crête. Et puis, si tu vois des contacts sur la ville, tu peux engager. Ok, d'accord. Donc les autres équipes sont là où tu vois les lasers, là, sur CP Nord, à l'ouest. Il y avait trois civils, là-bas. Des civils de quel genre? Je me repose, je suis mort. Je sais pas, demande à Wilco, c'est lui qui avait l'info. Ah mais c'est pas là-bas, Wildrid. Ah. C'est sur CPS qu'on avait des civils. Ah oui. Ah bah tiens, d'ailleurs je vois des ennemis sur CPS, depuis ici. Sur le bunker avec un étage là, sud-ouest. C'est lui qui est allongé au sol, c'est ça? Ouais. À côté du panneau stop, ok. Si tu veux, je peux engager. Il y en a un juste aussi à sa droite. Le rouge, Attends, là, je me mets à côté. Je vois rien du tout. Bien reçu, rouge. Patientez pour la suite des instructions. Ok, okay, je les vois, ils sont tous les deux debout. Bon, je vous laisse faire, bleu. Ok, ouais, allonge-toi. À ton orbe, je tire. Wildrid, si tu veux essayer de tirer, tu peux aussi. Hein. Bah, je vois rien, moi. Je vois pas où ils sont. Le bunker qui est en azimut. Où sont sud-ouest. Tu les vois, tu les vois, Sylvain? Ah, moi les deux je les vois. Hein. Allez, vas-y, tu peux tirer, j'ai visuel. T'en as eu t'as le premier, tu peux passer à droite. Jaune, confirmez que vous êtes aussi sur CP Nord. Tire encore, il est pas mort. Confirmé. Il est mort. Ok, jaune, vous allez commencer à pouvoir descendre en direction du sud en restant à l'ouest de la route. Et l'idée c'est de pousser en direction de la maison Jessica. Bien reçu. De jaune, bien reçu. Rouge, vous allez faire une progression simultanée, mais côté est de la route, l'idée c'est de prendre la maison d'angle Carrefour Jessica, maison nord-est. Ouais. Mets-toi azimut 236 et tu regardes à côté du fast-food, sur allez-y. La droite d'un fast-food, c'est parti. tu as un bunker avec deux ou trois contacts là. Azimut 236. Ouais. De l'autre côté de la ville. 36, ok. Danse. Ah oui, je vois un bunker avec un mec en dessous, c'est ça? Putain, on se croit en boîte de nuit là. Ok. faire feu, attends. Pourquoi? Les lasers. Distance. Il y a un vert parce qu'on va apporter du feu sur la zone, puisque moi, c'est un peu vite. Attention, hein, je suis à côté de toi, faut pas que tu bouges. Décale-toi plus sur la droite. Oh, j'ai jaune. Oh putain, cette jeunesse. Bon. Mais je passe pas devant, je suis ennemi, quoi. Surtout là, ils sont super bien placés, le MG.
S'il arrive à déployer, ouais. Bah j'ai l'impression là, non? Ouais, ouais. Bon après il y a des faux plats un peu partout là. Ouais, c'est quand même un pente, mais bon, ça fera un peu de boulot quoi. Pas tout faire, mais... Ouais... Bah s'ils arrivent à nous sécuriser les bunkers de là-haut... Pas mal. Bonjour, signal un contact dans la boutique. J'espère qu'ils vont pas nous dire où il y a un otage surtout. Tu vas la voir ton combat de rue sur Corée. Ah non mais là, rien que le début là, juste le premier checkpoint c'était tellement parfait que je suis content. C'était exactement ce que je voulais. Je vais vérifier que le mec qu'ils ont dit wow, il est mort, je sais bien, il est bien mort parce que. Allez hop! C'est lui là. Ok, otage à l'étage, ça reçoit. De rouge, on a un otage, droite route, à l'étage. Maison Jessica, confirmé, à vous. Confirmé. Qu'est-ce que tu fais? Il est mort lui? Ouais, c'est lui, je voulais checker. Ok, rouge, maintenez position et jaune, progressez sur Jessica, on va venir vous aider. Allez, Mist. Je vais rechanger de viseur parce que là, à Cog, ça sert à rien. Au revoir les FPS. Ouais, là moi aussi je commence à avoir du mal. Ouais, là c'est hard pour moi. Je pense que c'est le PC et la chaleur, il aime pas. Hein. Ah merde. Jaune, ça va? Rouge. Oui. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je balance une grenade. Ah vas-y, si t'as une greu, vas-y alors. Attendez, il y a... Ok, maintenant reviens, maintenant reviens. Ah c'est et bon, on va... Les otages. Les otages. Ok, parfait. Eh, les otages sont dans cette maison les mecs, hein. Ils ont pas de grenade là-dedans. Il est à l'étage. Ça fait la deuxième grenade que je vois tirer sur cette baraque. Les otages, c'est du beefsteak. Oh putain, je vais surtout récupérer du beefsteak avec du plomb, ouais. Rouge de leader. Écoute. Bon, du coup, est-ce que vous pensez que vous pouvez progresser sur la route en direction du sud-est pour aller plus ou moins au nord de Léa? Dans l'affirmatif, on a... Ouais, non, c'est bon. Par contre, on a un otage de l'autre côté de la rue, en face de notre bâtiment. Oh, joli. Ah, donc, indiquez le bâtiment, position GPS. Ouais. Je crois que c'est Jessica. Position GPS. C'est coordonnées 071156KP5. Ok, bien reçu. Je prends ta rue, moi j'ai juste contrôlé le... Eh ben, vous allez vérifier ce bâtiment-là avant, alors. Ok. Ok, de jaune bâtiment de l'otage clear avec l'otage au rez-de-chaussée. Oh, à l'étage. Vivant. Il est en vie. Il est en vie. Il est en vie. Bon, il manque deux jambes, hein, mais il est en vie. Ah, c'est le principal. Il me reste une frappe. Ok. Je sais pas. Parfait, il a peut-être avancé là. Ok, il est devant. Tu veux qu'on avance? Tu veux pas la mettre dans le sac? Dunko? Attends, je passe. Non, non, c'est bien comme ça, on fait genre Dino, tu vois. Dunko, recule jusqu'à l'arrière de la maison, là, je vais te reposer ailleurs. Ok, on back. On se cacher. Tu vois les moulins là? Ouais. Tu vas te foutre par là-haut et comme ça tu pourras peut-être éliminer des contacts depuis là-haut. Qu'on voit en direction de CP West, enfin t'auras un autre angle de tir pour engager des contacts. Ok. Donc t'es là-haut, t'as l'autorisation d'engager, rouge va continuer à progresser dans la ville avec moi. Et ça marche. Et on est parti. Tu vois les moulins là-bas? Vas-y voir si j'y suis. Rouge demande qu'on à tenir vis-à-vis du personnage. À coup? Ouais. Phrase parfaite, t'es où? Dans la maison? Permet que c'est bien un des otages. Attention, parfait. Moi je dirais civil, il y avait personne qui le défendait. Il est où? Peut-être qu'il faut garder le... la photo dans le civil. Ouais. On va rester là, Mist, on va attendre. Ah putain, réponds. Ouais, mais je t'ai répondu, mais c'est avec le...
tu prends celui-là, Mystery. Ok. Et la barrière. Donc de rouge. La bagnole qui est au pied du bâtiment, elle est opérationnelle. Tu vas aller voir. Je sais pas, je suis pas allé regarder. Bien reçu, rouge. Dans ce cas-là, commencez à sécuriser le bâtiment qui se trouve directement à votre sud-ouest. Sud-est, pardon. C'est pour ça que c'est précisé qu'il y avait. Je vais aller voir la baraque, la voiture. Elle est ok, la bagnole. Elle est ok. Ok, on fout les otages là-dedans. Ok, de jaune pour info depuis les moulins, visu très moyen. C'est bon. Bien reçu, jaune, je vais venir voir. C'est pas des otages. Maintenez la position, je vais juste voir au moulin un peu voir ce que. Ok. Bah si, c'était des otages. Bah c'est des ex-otages, ouais, c'était chiant à appeler. C'est nos potes quoi. Nos collègues. Ah ouais, Jessica. Ils sont pas mal là-haut sur les moulins. Ah, ils sont tout là-haut. Hein. Et on était tout là-haut aussi. Hein. C'est fou ça. La randonnée dans Arma. Ah bah, on a bien marché depuis le début. Hein. Et on a croisé pas mal de monde. Et mon petit doigt me dit que c'est pas fini. Mais t'arrêtes de spoiler, t'es pire que. Bah, en même temps, il nous reste deux tiers de la ville à faire, que j'ai envie de dire. Ah là là. De rouge, on a sécurisé les maisons le long de la rue. On peut continuer en direction du point Léa et du CP. La plupart. Ouais, bien reçu, rouge. L'idée c'est d'attaquer le point Léa par l'ouverture dans le mur qui se trouve à son est. Donc vous progressez dans cette direction tranquillement et puis vous faites votre chemin, nous on va pousser en direction de Julie avec Jaune. Ouais, c'est reçu. Enfin, il y a quand même la caserne là des méchants qui est mis sur map, qui me fait un peu peur. Bon, on contacte si on rencontre. Ouais, l'idée c'est que tu élimines les contacts qui sont proches, mais tu n'essayes pas forcément de la nettoyer. Hein. Tu fais ton passage quoi. Donc bah c'est une roquette dessus puis voilà. À coup. Ouais. Viens là. Merde, t'es où? Je suis là. Ok, tu rejoins l'équipe de Dunko pour un petit moment là. Ils sont juste là derrière le mur. Et vous allez pousser en direction de Julie. Ok, ça marche. Ça va Dunko, tu vois, tu fais un peu aussi ton itinéraire comme la vieille. L'idée c'est d'arriver sur Julie sans avoir à clean tous les bâtiments quoi. T'essayes de prendre l'itinéraire qui te permettra de pas perdre trop de temps dans les bâtiments. Ok, CP West il a jamais été engagé jusque maintenant. Assez peu, peut-être un peu par bleu depuis très loin, mais ça d'accord. Risque d'être chaud. De toute façon tu prends ton temps et si jamais c'est okay. Pas possible d'avancer, tu n'avances pas quoi. Ok, d'accord. Donc, mais si se présente l'éventualité d'engager ou de me mettre en position de l'engager, je le fais quoi. Ah ouais, affirmatif. Ok. C'est trop chaud, c'est voilà. Mais... Ok. On récupère un coup. T'as une petite spécialité à coup Démo. Démo. Oh là là. Ok, bah on est parti. Mystérieux. Je suis là. L'otage est au frais à la clim dans la bagnole. Ouf. À la limite, on va rester sur le même principe que tout à l'heure. Babs, je te laisse, tu sais, genre, t'avances le long du mur, là, tu fais la sécu extérieure. Ok. Et comme ça, à coup, tu te cales à mon épaule. On est en train de prévenir. Alors, tu stresses? Ouais, okay, ouais, non, ouais. À coup, tu te cales sur mon épaule, puis okay, on file les bâtiments. On a été pris à partie par des individus sur flanc colline. Ok, il faudra que tu t'accomplisses alors. Hein. Bleu est en train de traiter là. Si c'est pas ça, bleu, okay, faut que c'est clean. On ressort par d'où on vient. Voilà, on passe devant notre MG et on reprend notre route. Vas-y. Ah oui, ok, moi aussi je passe devant. Ok, ouais. J'ai un homme à terre. Clear, mec. Ok, dernier homme. On est là. À la limite, on va remonter là. Je voudrais voir si tu peux pas te poser. Ouais. J'ai l'impression que les copains ils prennent cher. Bleu de leader. Les obstacles. Ah, tâche proche, 30 mètres. Ouais, vas-y, teste le tâche de la maison. On va essayer de
de voir si tu peux pas donner un. On essaie de traiter, mais là ils sont dans le creux là pour eux. Ouais, bah faut que vous vous déplaciez pour pouvoir les traiter là, parce qu'ils sont en train de nous enlever des hommes. Merde. Ah, y'a pas d'enfant. Ouais. Rouge, faites ce que vous pouvez pour vous mettre à couvert. Bon. Je crois qu'on va. On va lâcher l'affaire. Hein. Je vais lui demander. De jaune, on n'était pas encore spécialement parti. Est-ce que tu veux qu'on fasse un peu de backup sur l'autre groupe? Négatif jaune, poursuivez. De jaune bien pris. Ok, on oublie et on se barre. Putain, moi j'avais pris un truc de planqué et tout, et maintenant faut que je fasse la guerre. Moi j'avais pris porteur de munitions, premier engagement, il y a Froggy qui meurt, je me retrouve avec sa MG dans les mains, alors... Ok, on rentre vite fait là. Pareil, tu prends plus ou moins appui sur un muret là, Babs. Yep. Ok, on te laisse là et nous on va checker en vitesse la baraque qu'il y a derrière. Et accroupis-toi d'un coup, hein. Cool. Bon, je jette un rapide coup d'œil. Méfiance, il y a du civil quasiment dans toutes les baraques. Donc, On arrive décédé. De civil. Ah, bien reçu, il faut vraiment que tu supprimes la menace que dans ces buissons là. Ok, étage clean. On a eu mitrailleur qui avait pris la partie rouge. Ok, clean. Merde, je vois pas, je suis trop petit. Bon, ok, c'est reclean. Faut manger de la soupe. L'idée à coup, quand on fait ça, c'est. Rouge de leader. Ouais, je cale sur mon épaule et en fait, t'es là pour me retirer. Si tu crèves, je tire en arrière si jamais j'ai pris du feu. Hein. Négatif 2 hommes. Ok. Ok, on va venir vous aider. Ok. Ok, alors on va reprendre. On va continuer à descendre le long de notre muret, on est reparti. Parti. Ok, il y a des murs de sable. Il y a un drapeau. Sur CP notre ouest. CP ouest. Plein sud là. Ouest? Non. En rouge, tu t'es mis à couvert au nord. Est-ce que c'est CP ouest? Non, en fait, on doit être quasiment sur le cas de Corée. Hein. Au nord de la route, ouais, je pense, ouais. Dans une baraque. On va. J'ai perdu un homme, le à coup, tu vois le bâtiment qui est plein ouest. Je vais mourir aussi, j'ai deux hommes à mort. Tu te mets à droite. Ok, maintenant. Tu vas te caler sur le mur à droite. À coup, je t'entends pas du tout. Maintenant. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Ok, j'y vais. KRS. Ok. C'est comment au niveau voix? Quand t'appuies sur table, il est où ton triangle? Ah, il est vers le haut, mais c'est mon micro qui va faiblement. Ah, t'es bas aussi, toi, putain. Ils ont l'air clean. Peut-être. Ok. Donc c'est exactement la même, à coup, sur la baraque d'après. Ok. Tu veux dire celle qui est sur l'ouest là-bas? De leader. Sud-ouest, okay, le petit, la petite casse-bas là. Ok, j'y vais. Voilà, terminé pour l'instant. Et on le rejoint, Babs. Okay. Bleu de leader. Bleu, j'écoute. Ah, ça passe pas. Il faut que vous vous assuriez que la menace qui était dans les buissons, donc 0, 7, 2, 1, 6, 6, t'avais 1 et 2, a été complètement éliminée. RS. Ok, j'ai un truc, on va le prendre sur zone, on en a eu deux, mais Un mouvement terminé. Ok, prenez garde quand même, terminé. RS. Ok, c'était pas celle-là, mais c'est pas grave, c'est pas mal du coup. En fait, je t'explique, là, le CP, on est juste à côté, et maintenant on l'a quasiment contourné en entier, il est sur notre est-sud-est. Ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire, je rentre en premier.
Babs éventuellement suis-moi. Yep. Je pense que tu vas pouvoir aller. Ok, essaye de trouver une fenêtre où tu peux poser la Gatling, tu vas voir le. Tu vois? Ah ouais? Ouais, c'est pareil, ouais, c'est chaud à moitié. Prépare-toi parce que je pense qu'on va. On va. Tu vois rien? Ah ouais? Ouais. À coup, ce que tu peux faire, regarde, va à l'angle d'après et regarde sur ton test, tu vas voir le CP là. Et de voir si t'as du monde. T'as du monde? Je le vois pas bien là. Moi je suis un gros bigleux donc Ah non ouais, il y a trop de verdure. Ok, vas-y, back. Il y a trop de verdure là en fait. On va prendre à coup, on va prendre côté gauche de la baraque, je pense qu'on verra mieux en fait. Ouais voilà. Ah oui, ok, d'accord, il est là. Ok, à coup, vas-y, prends ma place, tu vas voir, tu vas le voir là, le CP là. Oui, je vois. C'est toi qui nous a tiré dessus. Dunko? Ouais. T'as entendu que commandement te demandait un sitrep? Ah non, c'est tout. Je pense qu'il demandait un sitrep. Ah ouais, mais là vu que ça parle. Bah, peut-être qu'il y a reparu deux fois. J'ai un laser pointé vers une maison. On a un tir qui n'est pas. Ouais, bah. Bunker clear, mais y'a peut-être un mec allongé. Attends, parce que c'est juste pas possible, je suis dans ton dos que je t'entends pas. Je fais un. Tape en vitesse. Que... Ouais, augmente-moi un peu. Ouais, ah ouais. Tac, tac, tac. Toi, tu t'appelles Aku. Ouais. Ah, t'étais à zéro. Ok. Ok. Puis si t'es dans la maison, tu m'entends encore moins avec le mur. C'est un peu mieux, ouais. Ok. Je disais, y'a personne dans le bunker, mais y'a peut-être un mec allongé, une petite patate dessus. Ouais, ça pourrait le faire. Mais bon, pour ça, j'ai lance-patate, donc ça va pas être trop compliqué. Ouais, bonne idée. Ce qui m'emmerde, ouais, c'est qu'il n'y a personne, quoi, putain. T'as moyen de nous appuyer plus ou moins, Babs? Parce que je pense qu'on va aller au contact. Grosso hein. Merdo, ouais. Et très franchement, pour l'avoir vécu d'aller au contact sur un bunker. Ah, mais on va nettoyer d'abord. Jaune, j'écoute. Ça tue, jaune. On est à 50 mètres. Caché dans une baraque à l'ouest du CP Ouest, a priori zéro contact sur notre CP Ouest, même si on n'a pas tout en visu, c'est très calme. Bien reçu, jaune, continuez comme ça et puis allez sur Julie comme possible. Deux bleus, commandant. Par les bleus. Ok. Ouais, on a vu Dunko, va au muret et puis jette un coup d'œil le long de la route parce que j'ai aucun visu sur la route. Ouais, bah ouais, sur la baraque, ouais. Après la barrière. Ok. À coup, tu la vois là? Ouais, le mur. Ouais, je vois un mur là. Ce que je vais faire, c'est que. Je suis actuellement sur l'ouest de Jessica, donc je sais pas trop. Je vais envoyer une patate dans le bunker pour m'assurer qu'il n'y ait pas un. Enfin, de toute façon, s'il y a un gars allongé, il va y passer. J'aime beaucoup ça. Le but du jeu, c'est d'avoir un visu sur tout l'angle de la rue qu'on voit pas. J'avance sur le mur et après, je fais un petit hop. Ouais, voilà, ouais. Moi, je suis sur le terrain de basket. Mais vas-y au ralenti, arme à l'épaule. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de lancer 2-3 patates sur le bordel. Ok, je suis prêt. Et Babs, s'il y a le moindre mouvement, t'arroses. Je suis prêt. Ok. Ok, bah, feu vert pour tous. Envoyez mes petites patates. Attention, patates. Attention, patates. On plante dans celle-là. RS. RS juste... pour toi? Il y a juste un camion militaire.
de transport. Je crois que c'est un camion militaire, mais c'est tout. Okay. Il est vide. Enfin, je vois pas ce qu'il y a dedans, à l'arrière. Ok. Ouais, c'est peut-être même civil, ça. Je sais pas. Eh ben, écoute... Prends ta place et t'essayes de gagner le muret du bunker. Ok, ça marche. Je contourne par la droite. Il y a un civil en plein milieu de la route là, comme un con. Ouais, toi c'est pareil, t'es en plein milieu. Le mur, va, colle-toi au mur. Et allume ton laser si tu m'entends. Ok, Babs, tu peux me rejoindre si tu veux. Coup, si tu m'entends... Bleu de leader. Ah, bleu, on est sur Jessica là. Je t'entends pas. Placez-vous je t'entends pas. À l'ouest des murs de la ville, pardon, et descendez vers le sud. Je vais vous intercepter, puis vous allez faire jonction avec nous. Ah, je disais, tiens, ta position elle est très bien. Ok, ouais, on a notre gunner qui a pris la rue. C'est du civil tout ça hein. Ouais. Alors, par rapport à ça, Julie, ouais, c'est juste à côté. Putain, lui aussi, je voulais en mettre une. Voilà. C'est jamais. Ok, bah. Bouge pas, hein, je pense que. Ah, wow. Ça tient. C'était vous ça? Non, ça c'était ennemi ça. Ça vient depuis le newspaper wow, bidule. Gaffe, ça tire juste à côté de nous là. Ouais, sur l'est. Roue avant, gauche du camion. Ok, c'est bon. Tombé. Il est tombé. Ok, bah du coup, Babs, tu m'entends là? Ouais. Tu tiens la position, le fameux bâtiment Julie, il est juste à côté. On va y aller avec Aku. Ok. Aku, ce coup-ci, c'est toi qui rentres. C'est donc, lequel, juste Julie? Après ce bâtiment. Hop là, accroupi. Ah. Donc le bâtiment d'où ça tire, a priori, c'est là où il y a notre otage. Cool. Je te suis. Ok. Okay. Dans le bâtiment à mon angle, en 110. Sur le balcon, a priori, on a peut-être du monde. Au rez-de-chaussée, tu veux tournoyer un peu autour du bâtiment avant de rentrer, tu peux. Ok. Ok, un homme mort à l'entrée. À coup. Quoi? Tu lui es passé devant sans calculer. Ah, mais moi je calcule rien, hein. Tu m'envoies en avant, mais. J'ai rien. Bon, on va rentrer. Ok. T'ouvres, je rentre. Vas-y, à la limite. Non, tiens, je vais t'ouvrir. Tu gardes ta position sur le couloir et je vais t'ouvrir. Ouais. Prêt? Ouais. Parfait. Un ennemi traité avec un freeze en plein. T'es clear, tu rentres. Ok, ah, vas-y, ouvre ton, fais ton ouverture. Parfait. Maintenant, vas-y, tiens ta position, rentre pas tout de suite. Qu'on fait un peu de bâtiment, c'est bien. Voilà, alors on moi je vais un coup d'œil de l'autre l'ouest. Côté. T'es clean. Tu sais comment on rentre dans les bâtiments? Dans les pièces? De pièce en pièce? Non. Tu rentres de ton côté et tu enroules ton côté. Ok, donc je vais rentrer en premier, j'enroule à gauche, et toi tu rentres aussi. Ok, c'est clean. Droite. Et on enchaîne avec les escaliers. Ouf, je ramote. Et là c'est un petit bordel avec les paliers. Moi j'ai bugué tout à l'heure sur les escaliers comme ça. Fais gaffe parce qu'il est sûrement allongé, hein. S'il y en a un. Babs à Dunko, ça bouge encore sur le camion. Ok, bien pris. Si tu arroses, hein, c'est pour toi tout ça. On est dans le bâtiment otage. Ok, on continue à monter, il y a personne. Ok, j'ouvre. Et c'est clean. La porte, allez, on se fait comme on vient de faire à l'instant.
Sauf que je check à droite. Tu gardes, ouais, voilà, tu te prends un angle. Je te l'ouvre, t'es prêt? Ah, 3, 2, 1, joue. T'étais en merde. Face. Elle s'est ouverte dans le sens où je vois que dalle. Tu vois que dalle à cause de la porte? Ah, on a un civil. Ah, ouais, y'a un otage. À droite, je vois pas avec la porte. Ok, on va rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à fond et je vise le mur en du fond. Où, à peu près? Donc toi, tu rentres et t'enroules à droite direct. On a traversé la route, ça marche. 3, 2, 1, ça rentre. T'as de la fumigène, essaye de me lancer. Alors, lui. Parfait. Babs, merde. Contact tué. Babs, t'es ok? Mystérie, descend de ton bâtiment. Ok, tu gardes l'otage, je vais chercher Babs. Ah non, tu fais la couverture. Ah, je sais pas ça. J'ai balancé une fumée au pied de notre. Wilco est mort. Ok, bien reçu, bouge pas. Sylvain, tu maintiens la position à tout prix. J'ai jeté un fumier en cas où. Denko, tu m'entends? Ça coûte rien. Et Sylvain, on va te rejoindre. Bien pris. Jaune pour leader. Qui se barre comme ça? Jaune pour leader, tu me reçois? Parlez jaune. Ok, donc de jaune, point Julie, clear, et l'otage a plus qu'à prendre. Ok, reçu jaune. Dans ce cas-là, vous menottez l'otage, vous le prenez, vous faites l'itinéraire inverse et vous remontez à Jessica. Attention, possible contact sur le parcours que vous avez déjà fait. De jaune, bien reçu. Pas fait mal à coup, ouais. T'as des manottes? Ah, mais tu m'entendais pas parce que j'étais au rez-de-chaussée? Non, sérieux? Ouais, je t'entendais pas parce que t'étais au rez-de-chaussée. Et bah, il est menotté, y a plus qu'à l'emmener. Ah, bah voilà, bah on le descend d'un étage, on se regroupe au rez-de-chaussée. A priori, on va faire. Attends, je fais. Je l'emmène alors. Ah, j'essaye. Inverse pour aller sur Jessica, larguer notre otage. À part qu'il y a des otages, enfin des ennemis dans le. Éventuellement des contacts du puits sur notre route, quoi. Ok. Il est parti pisser, il arrive. Attends. Oh putain, merde, il était juste derrière Dunko, je croyais qu'il s'était barré ce con. Ok, tout le monde est là? Tout le monde est là. Ok, du coup, Aku, tu saurais nous ramener sur le point Jessica par où on est passé? Je saurais faire ça, ouais. Ok, tu prends la tête, je prends l'otage, tu fermes le tout. Bien pris. On passe par l'arrière ou devant? Par où on est venu. T'es venu de par où? Derrière. Bien joué. Oh putain, tu le portes vite, quoi. Let's go. On fait une petite colonne resserrée. Ah oui, d'accord, c'est l'otage qui... Enculé.
On a du contact juste à côté. Il y a un coup qui vient de se faire péter par tac paf quoi, un tir là. T'es où le mec? Ok, mets-toi sur les sacs de sable direction sud-ouest, je vais prendre à coup. A priori il est pas mort. Putain, passe par-dessus les murets toi. Ah, c'était peut-être qu'un contact isolé, du coup je le... Ouais, vous pouvez commencer à... J'essaye de le traiter direct sur place, on va voir. Je fais gaffe parce que je pense qu'on a des mecs dans le queue aussi. Ah ouais, bah vas-y, fais de la couverture 360, on est seul au monde là. Right leg, gravement blessé à la jambe droite. En tout cas, le mec qui l'a blessé est mort. C'est sûr. Je sais pas s'il y en a d'autres. What? Il est passé où l'otage? Merde. Ah. Il est plus là? Il est à terre. Oh merde. Non, ça va, il bouge. Je crois qu'il s'est juste planqué. Ah, il a dû se blesser. Je l'ai lâché un peu à l'arrache et il a dû se blesser. Je suis là. Oh, putain. Oh, à coup. Je suis là. Ok, j'espère que tu vas pas retomber dans les vapes par contre. Du coup, j'étais en plein check, alors je finis mon. Avec jambe droite. Oh, jambe droite. Tu restes des bandages? Ouais, je vais le faire. Non, je te le fais, ça y est, il est lancé. Bah non, t'as utilisé mes bandages donc j'en ai plus. Ah bah voilà. Est-ce que t'avais de la morphine par contre un peu sur toi? Ouais, je peux m'en mettre une. Je pense que tu peux t'en envoyer une parce que t'es en heavy pain. Alors, notre otage maintenant. Ok, c'est bon pour moi. Ok. Pour l'instant, on fait stand-by. La vieille, tu prends l'otage, tu le sors de la maison. Tiens, left leg. Est-ce que quelqu'un a encore du bandage? J'en ai moi, mais je sais pas. Ok. Essaye de lui faire un bandage left leg alors, notre otage. Yeah. Moi je suis pas sûr d'en avoir beaucoup vu qu'il est rouge. À mon avis, il faut deux bandages de toute façon. Comment je fais pour le soigner, merde? Windows sur lui. Windows. Jaune de leader. Ah, je t'écoute. Contact sur Moulin là où vous êtes allé tout à l'heure. Prenez garde, patrouille de deux hommes. Ok, bien pris. Il faut vraiment. Pour info, on s'est fait engager dès notre sortie de notre bâtiment et ça a couché un homme et l'otage. Donc Aku est de nouveau debout, là on met l'otage debout et on va partir. Ok, bien reçu, nous on est en train de revenir, on est allé sur Léa, on est en train de revenir sur Jessica aussi. Putain, bien pris. Est-ce que je ferais pas mieux de passer par la rue principale entre Julie et Jessica pour rejoindre Jessica? Oh oui, oh oui. Négatif, c'est truffé de contact. Ah. Ok, bien reçu. Putain. J'ai truffé max de bandage là, je sais pas si ça fera... sera suffisant. Ouais, Alors peut-être qu'il est un peu. Ah, il est peut-être inconscient du coup, on est dans la merde par contre. Est-ce qu'il est transportable? On va voir ça. Ok, inconscient, gna. Risque, get down. Ah, oh. Il s'en remet debout. Parfait, hop, hop. Ok, ouais, on est reparti. On a aucune couverture? On a aucune couverture que la nôtre. Ok, donc on a deux hommes pour tirer. Ils emmènent. Yedak, je traverse. A priori, on va droit sur du contact en plus, hein. Ouais. On va essayer de rejoindre notre un des bâtiments qu'on avait tout à l'heure en hauteur et de faire un premier check sur ce qu'on nous attend. Prépare un grand détour et on passe par les moulins. A priori, il y a du contact sur le moulin maintenant. Oh. Je vois pas trop bien où je vais. Ok. Ah, genre là, droit devant, on a un bâtiment, je crois. Ouais, ouais, ouais. On se cale sur ce bâtiment-là. Ok, ça marche. Je prends la droite sur le bâtiment. Il y en a un deuxième, là. Attention, j'ouvre à l'œil. Ouais, il y a du contact sur la droite. Ok, vas-y, allume. Allume et dès que tu peux... Contact tu proche. Tu rejoins le mur du bâtiment que t'as en face et babs, tu prends sa position et tu arroses. Ok. Attends, lui sur le bâtiment,
Ça va répliquer sur nous là. On a jaune juste à côté, attention. Ok, vas-y. Ah, ok. Babs, réplique si tu peux. Fais de la suppresse s'il faut. Les potes, ça là-bas, là, le long des bâtiments. Ouais. A priori, on a des copains proches, hein, méfiance. Ouais, mais là, il faut qu'ils allument leur laser alors parce que ça va être la merde. Hein. Aux autres squads, allumez vos lasers si, vous, si c'est possible. Et moi, je vois un truc sans laser, je tire quoi. Jaune a des possibilités de tir, mais on sait pas trop trop sur qui encore, donc on voudrait pas faire de bêtises. Alors, leader et tout le reste de l'équipe dans le bâtiment 070 164 pavé 9. On profiterait pas de la smoke pour avancer. Hein. Ok, bien pris. Je vois leader sur l'est là. Ok, à coup. Ouais. Tu vois le muret que t'as à gauche de ton laser? Ouais. Et bah tu vas te poser dessus à l'intérieur du Kunpun et tu me prends les moulins en joue. Ok, je trace. Go. Prends sa position. Prends sa position, ouais. Et une fois qu'il est en position, tu prends l'autre côté par rapport à lui. Toujours les moulins. Ok, on vous rejoint, commandement. Négatif, essayez de pousser vers les moulins jaunes. Ah merde. Il joue la vieille. Il est mort. Non. Ah merde. C'est un allié ça? Mais non, c'est un ennemi. Non. À ta gauche, à coup. À coup, en gauche. Et c'est ça, qu'est-ce que c'est? Ok, jaune. Ok, je pense que Babs. Vas-y. Okay, tu continues nord. Je peux te laisser l'otage là? Ouais, vas-y, lâche l'otage et tu continues. On est en binôme avec qui, Sparfel? Avec Aku? On retrouve avec Jessica. Non, tu t'es en binôme avec Mystery pour l'instant. Ok. On reste ensemble. Du coup, on va se faire, on se fait une petite ligne direction le moulin qu'on voit plein nord. Arme à l'épaule, debout. Donc ouais, tu vas sécuriser les moulins, ensuite tu reviens sur Jessica. J'aime pas. Parfait. On n'avance pas trop vite, avancez pas trop vite, mettez-vous en marchant même s'il faut. On marche. Tu prends. Parfait, on a Babs en pointe, tu regardes droit devant, légèrement sur la droite pour toi à coup. Et on avance tranquillement. Putain. Ok, c'est pas pour nous. J'espère qu'il va l'avoir, moi je m'arrête pas. Hein. J'ai rien. On cherche pas plus loin, on se met sur le moulin là. Je reviens me mettre quelque part à l'abri, les gars là. Pas dans le moulin. Dans le moulin. Et là, je suis prisonnier. Ah, je sais pas, c'est. Il y a peut-être quelque chose dans le moulin, fais gaffe. Je suis enfermé, je peux pas vous suivre. Je vais attendre que. Oh, venez t'aider, cache-toi. Je vais jeter un œil dans le moulin, voir si tu peux te planquer dedans. Ok, tu peux te foutre dans le moulin. Essaye de choper la menace. Merci. Sud. Attention, je passe. Sud, si je passe. Ouais. Ok. À coup, sors de ton bâtiment. Je suis pas dedans, je suis là. On refait exactement la même chose, on prend un azimut direction le contact, donc sud-ouest. Est. Sud-ouest, ok. Sud-ouest. Tous les deux sur ma droite. Pas de visuel. J'ai mis un otage dans le bâtiment. Avec légèrement en pointe. Merde, l'autre il... Voilà, et on descend. On va lui tomber dessus, on marche tranquillement, on a le temps. On se met en full auto. Et on va lui tomber. Là, je mets sur mon laser. T'arrives à les voir, essaye de sortir et de la joindre. Putain, faut que je recharge. Sur mon laser. Je balance. Sur mon laser, vas-y, envoie. Bien, je recharge. Ok, il est tombé. Il n'y avait pas un tir tout près là près d'un bon. Ouais, j'ai l'impression. Il y a du départ de coup sur le sud. Il y a un mec en visu. Tout ça contre. À nos pieds là. Je pense qu'il y a que moi qui le vois. Il y a un de leader. Voilà, c'est lui. Ok, tombé. Ah non, c'est une blague. J'ai tiré à la ronche. Ouais. Tiens la position, ouais, non, c'est parfait. En plus, t'es là pour ça. Avec ton AR. Pas rentré. Oh, c'est toi qui l'as buté en plus. À travers les buissons, t'as tiré là? J'ai tiré à la hanche parce que j'avais pas de visu.
Ouais, bah pff, tu l'as buté. Il y a Sylvain qui est sûrement inconscient ou mort. Ouais. Dans les bâtiments de là où on s'est rejoint tout à l'heure, Dunko. Ok, tu veux qu'on aille voir? Ouais, il y a eu un tir en sud-sud-ouest. Okay, ouais. En même formation. Il y a un tir sur le moulin. On se met face au sud, même formation, mais on marche légèrement de travers en fait, sur notre sud-est. Là. J'ai vu courir dans la rue à l'est là. Ça court encore. Yeah. Passe pas. On va voir même plein sud et déplacement est. Shift à gauche, bap. Ok. On aura un contact plus ou moins à nos pieds sud là. La rue à l'est, j'ai pas pu l'avoir. Ok. Ok, bon, ouais. Oh je l'ai, putain on a du monde juste à côté sur les murets mal, est et sud-est. C'était sud-est. Et il faut récupérer le mec qui a des cycles. Ouais putain. Ok, un traité et j'en ai un autre là. Qui est... pas trop où là. Ah c'est ça, un autre pied là. Il y a deux mecs. Je suis touché. Feu. C'est bon? Ok, je me diagnostique en vitesse. Ouais, je suis gravement touché, jambe gauche. J'ai plus de bandage. J'en ai. Il y a le médic dans le moulin, s'il faut. Il y a le médic dans le moulin, ça ira plus vite si tu veux. Médic dans le moulin, ouais. Ok, bah, tenez la position, essayez d'allumer ce qu'il y a direction la baraque. Là, j'en ai un autre, là, sur mon laser. Un autre derrière la maison, à gauche de la maison. Ouais, j'ai vu. J'ai pas. Si ça va pas, vous baguez aussi, hein. Je me jette sur le médic, j'arrive. Jaune, j'ai deux bonhommes qui restent en protection de ce qui vient de la ville. Pour info, il y a beaucoup de contacts et moi je file sur ton médic parce que j'ai très mal à la jambe. Ok, on est dans le moulin là. Attends, le médic va sortir. Contact dans votre dos, jaune. Oh, votre dos. Non, c'est pas l'otage. Merde, c'est où? Babs? C'est par dessus la crête, ouais, je suis là. T'es où? Ouais, je suis là aussi. C'est sur la gauche du moulin de gauche là-bas. Attends, je fais un check. Dans le moulin. J'en ai deux dans le dos là. Je vois rien, je vais sur toi. Recharge. Sur le moulin de gauche, sur le moulin de gauche. Merde, toi, je recharge. Je l'ai pas, mais je fais de la suppresse seulement. Je vois rien du tout. Hein. Ah oui, effectivement, ça pique un peu la jambe gauche. Ouais. Ça s'est calmé, non? Ouais. De jaune, ça va dans le moulin? Je l'ai vu, le mec qui est à gauche. Ah, c'est bon, je suis sous les coups du. Ah, j'en charge. Il y a un mec dans le troisième moulin, le moulin le plus au nord-ouest, mais on n'arrive pas là, on fait que de la suppresse. Je vais m'avancer, bon, c'est une grenade, je pense. Ok. Ah, c'est cool. Bien pris, méfiez-vous, surtout vous, parce que je pense que vous êtes en plein découvert et cerné. Hein. Putain, j'ai plus que des fonds de chargeur. Ouais, ça arrive. Commandement de jaune, merci. Ok, jaune, remontez sur le moulin. Okay. Viens, on monte sur leur moulin. Non, putain, y'a encore un mec. Médic, sur le moulin du milieu, y'a le commandant qui est tombé. J'arrive. Il est où, là? Il est là, à mes pieds. Par contre, y'a peut-être du contact. À... Jaune, mettez-vous sur le premier moulin et en protection direction les deux autres moulins. Je suis à sec là, j'ai plus de munitions. C'est bon, tu peux. T'es en train de. Je m'en occupe là, j'ai dû tracter et ça a merdé. Mais... Bon, je crois qu'il faut qu'on dégage. Hein. Bah. pour l'instant, c'est mal barré, ouais. J'ai Babs à terre ici là. Ah merde. Okay, je t'en fume le sud, je protège. Je t'en fume la direction. Gravement blessé, torse.
Ok, je pense que le médic s'occupe du commandant, il arrive sur toi. Il est où là? Il est ici, il sur est le premier moulin. Derrière. Là, 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 j'ai rien pour le... J'ai rien pour... Je m'en occupe, torse. Torse, gravement blessé. Ok, je vais lui en mettre deux. Ah merde. On va penser à envisager un repli d'un coup. Torse, voilà. L'idée c'est qu'on a récupéré un otage qu'on a laissé sur... T'as des... Cigares. Est-ce que t'as des chargeurs dans ton sac? Non, je... T'en transfère dès que j'ai fini mon merdier là. Dès que mon... Quelqu'un, est... debout, quelqu'un ou deux chargeurs là, je suis complètement à sec. Ouais, attends, je vais en mettre dans mon sac. Il y en a dans mon sac, tu peux prendre les trois qui sont dans mon sac, tiens. Attends, est-ce que t'es super exposé là? Il va viser ce putain de sac de merde. Allez, bouge pas, je te mets une morphine. Ok. Tac. Oh putain, j'ai l'écran qui devient tout noir. Oui, là. Je te prends ceux qui sont pleins. Bon. Merci. On part te battre. Parfait, t'as besoin d'une morphine? Ok, ouais. C'est bon. Ok, tiens, Babs, viens sur moi. Akou, viens sur moi si tu m'entends. Ouais. D'un coup. Babs, tu prends un azimut de sud-sud-est. Qu'est-ce parfait, c'est bon. Okay. Sur cette position-là, avec Akou, on va aller dans. Ouais, je pense que c'est pareil pour tout le monde avec les bastos qu'on a pris. J'ai plus que 3 morphines, les gars. Le bâtiment qui est là, là, a priori, on a un otage à aller chercher dedans, là. Donc, Akou. Dedans, on va y aller. Voilà. Okay, je suis sur ta droite, voilà. C'est reçu. Ouais. Il y a un lotage dedans. Je sors de la bagnole, je te mène ici. Ok. Ok. Si vite que possible. Ok, Babs en couverture, à coup avec moi, c'est parti. Je te suis. Remarque, je commence à être en manque de chargeur aussi là. Ah là, ça va être repli là. Ça va, on va chercher. Si quelqu'un a des bombes de MG, là, je crois que le mec avait des bombes MG, il est mort. Enfin, j'étais porteur de. Le truc épique quoi, sérieux. Ok, tu vois un mec là? Non. Ah, il est dans la voiture, ouais. On l'avait chargé dans la voiture. Du coup, je te protège. Je le sors? En plus, je viens de voir un mec, donc je te protège. Et, ouais, tu le sors, tu le prends en compte, tu remontes sur Mystery. C'est bon, je l'ai. Ok. Vas-y, je te laisse partir en premier direction Boulin. Ok, je suis parti. Bah, je pense que si on se rebarre vers la colline là, c'est pas mal non? Ouais, ouais, on va faire un grand coup de moment là, tranquille. Eh oh! Y'a un contact là, putain! Putain! Sérieux, sérieux! Wow! Vous l'avez eu? Il était juste à côté quoi. What? Y'a quelqu'un qui est mort là. Non, c'est bon, c'est le même. C'est putain. Bon, il est mort. Non, mais il y a quelqu'un qui venait vers nous qui est mort. C'est lui qui avait l'otage. Ouais, il a plié à coup lui. Ouais, Akou, l'otage, il est plié. Ah, à coup est mort. À coup est mort. Vous pouvez prendre des chargeurs dessus, ben du coup, vous êtes allé là-bas pour rien. Putain, mais il sort d'où ce mec là? Ok, bah, il sortait du moulin. Babs, Dunko, vous serez notre couverture pendant qu'on est.